Ben salut à tous, première vidéo sur la chaîne Trailer en Or. Alors paradoxalement, on va pour cette première vidéo courir dans l'Est, à Saint-Dié-des-Vosges, précisément. J'espère que ça va vous plaire. Comme sur Instagram, c'est mon fil conducteur. Pas de chrono, que des photos. Et ici, du coup, que des vidéos. Voilà, donc l'essentiel. De se balader, profiter des paysages, ce que je vais essayer de vous faire partager. Allez, c'est parti pour une petite balade dans les forêts de Saint-Dié. Allez, à plus, merci. Là, on va marcher un petit peu, je commence à être essoufflé. C'est aussi la reprise pour moi, après un gros break. Et là, on est allé vers le chemin des crêtes. Ça grimpe pas mal. J'espère qu'on va aller vraiment tout en haut. Là-bas. Ici, on est à 450 en altitude. Et on va essayer d'aller encore plus haut. On va voir ce que ça donne sur le chemin des crêtes. Allez, on reprend son souffle et on y va. C'est parti. Ah bah, je suis arrivé à ce fameux col. Ouh, j'ai eu l'impression de porter trois fois mon poids là. Ah, ascension un peu difficile pour cette petite reprise. Et donc là, je sais pas trop où je vais. On est sur les crêtes, je vais essayer d'avoir un beau panorama sur la vallée Saint-Dié. Ainsi, il y a plusieurs chemins qui me sont proposés. On va aller par là. La roche. Belle vue à une minute. Ben on est venu pour là, pour ça. Roche pierre percée. Triangle rouge. Suivons les triangles rouges. On va essayer de se faire cette belle vue. Avant de retourner sur Saint-Dié. C'est parti. Alors, ce triangle rouge, il doit être par là. Alors, là j'ai grimpé, petit chemin, fontaine de la pépinière, ça peut être sympa. Le tour du Kemberg, c'est là d'où je viens. Ou alors ici, on va aller voir. Sentier de crête, col de ronde tête. Et là, je suis au haut du Hochel. Eh ben, je crois qu'on va prendre celui-là. On va vraiment essayer d'être sur les crêtes. C'est parti. Voilà, c'est un autre type de chemin. On avait des chemins type route forestière. Et là, maintenant, c'est plutôt chemin caillouteux en pleine montagne. C'est pas pour me déplaire. On est toujours sur col de ronde tête, sentier de crête. On vient de cette forêt là, bien noire. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Pas où on va arriver, mais j'espère qu'on aura une belle vue sur les montagnes et la vallée. Wow. Là pour une reprise, il y a du dénivelé. Hein. Ça faisait longtemps. Hop. Allez, je vous reprends en haut. J'espère. Circuit sous roche pierre percée majestueux 3. On sait plus où aller.
là ou là. Ah bah écoute, on va faire les deux. Oh génial. Hop là. Wow. N'ayons pas le vertige. Superbe. Eh ben, bien fait, hein. Et voilà, avec un beau lac. Je pense que c'est le lac de Pierre Percée. On voit tout là-haut, tout là-bas. Regardez-moi ce panorama. Jolie petite passerelle. Je crois qu'on est bien. Super. Et après cette petite passerelle, on va reprendre le chemin dit majestueux. Oh, c'est super beau déjà ici. Avec le gris rose des Vosges, le petit vent qui va bien, la petite chute qu'on va essayer de pas faire. Hop là. On va prendre le chemin dit majestueux tout de suite. C'est parti. Eh ben, allons-y, 3 minutes. Lui, on sera de remonter. On va se faire une belle descente déjà. J'en ai super pierre. Et très joli ici. Vraiment, j'étais par ici au hasard. Complètement au hasard. Top. Et pas déçu du tout. Super joli. Voilà. Magnifique. Hop là. Et là, de retour, sur le chemin de retour. Une belle plateforme d'altitude de 715, donc pas mal, on a bien monté. Et là, on va aller voir ce beau panorama, j'espère. Bien mérité. Oh là là. Ça, c'est pas exceptionnel. Et nous, on va repartir après cette belle surprise. On est reparti. Altitude 715, Saint-Dié. C'est parti. Pluie fine tombe sur la tête de tous ces hommes. L'orage qui arrive est tout près de ce décorum. Ah, quelques pas de là, derrière ces collines, au pays des rois, il pourra faire trembler les cimes de ces plus grands sapins qui bordent la plaine. Pas loin de ces chiens, ces vauriens, amateurs de haine qui obéissent au fouet depuis qu'ils sont nés. Toujours prêts aux aguets afin de pouvoir commencer. Lui qui attend ici, bien auprès des siens, écoute le bruit, c'est ainsi que l'on se souvient des gouttes.
dodo qui tape sur le fer forgé. De ses armures, de ses casses, de ses lances et ses épées. Il a les mains qui tremblent et les yeux mouillés. Ici pour lui tout ressemble à une mort réveillée. Rien ne sera plus jamais comme avant. Aujourd'hui il meurt ou tu es, voilà ce qu'est son présent. À fuir tout ce qui brille, je n'ai jamais su vraiment avancer. À éviter le pire, j'ai vécu de côté. À l'autre, en empire, je ne serai plus jamais le dernier sourire. À l'avenir, me fait danser. Et cette peur qu'il a en lui ne le quitte pas. Comment laisser cette envie de s'enfuir loin de là, loin de tous ces démons qui viennent et font face. Ceux qui savent que les monts sont des ponts qu'en font de les classer. Son premier combat, son premier défi. Ah, c'est une piste de parapente. Et donc ça doit être bien pentu. Ah, super. Et nous on va aller par là. Alors le chemin, je ne saurais pas te redire. Proche Saint-Martin, Saint-Dié, ça ce sera la prochaine destination. Ce sera après-demain, je pense, c'est la Roche Saint-Martin. Truc exceptionnel à voir. Et là on va repartir tout en bas par ce chemin-là. Si je ne meurs pas, allons-y. Il oublie seul ses moments de joie, sa vie, son passé, tout ce qu'il n'a pas pu connaître avant de trépasser, ses idées nouvelles, ses esprits si avancés. Bientôt clap de fin pour cette première sortie et cette première vidéo. Alors on aura fait petite dizaine de kilomètres avec 500 de D+. C'est pas mal, très bien pour une reprise. Hein. On est content. Ce sont l'essentiel et de voir les paysages. Ça c'est le plus important. Donc on voit tout là-bas Saint-Dié, là on retourne. Et donc petite route faussetière pour faire un dernier kilomètre avant de retrouver le point de départ. Voilà, on entend tous les beaux oiseaux. Là, il n'y a plus grand intérêt, si je puis dire. C'est que de la route forestière ici pour descendre tout en bas. Comme je dis, encore un petit kilomètre. Donc, clap de fin pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Soyez indulgents, c'est ma première. On débute. Si on savait tout dès le départ, il n'y aurait plus rien à apprendre. Ça serait dommage. Donc voilà, première vidéo. Et j'espère à très bientôt. Ici, il y a de quoi faire. Et dans le Nord également, puisque vous êtes sur la chaîne de Trailer Nord. Allez, à plus. Portez-vous bien.